Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, il s'est passé plusieurs choses. Déjà d'une, peut-être que vous remarquerez que le jeu est un peu plus beau, peut-être. Bon, je l'ai un petit peu modé. Par exemple, si je veux parler au chien, hey. Hop, l'interface a changé. Ce qui la rend un peu plus semblable à ce qu'elle était avant. Surtout un peu plus pratique et un peu moins console. J'ai modifié le son des armes aussi pour certaines armes. Leur son, le son qu'elles produisent, leur capacité à faire des trous dans le mur, donc l'impact, de meilleurs impacts on va dire, et aussi donc les douilles qui tombent au sol. Je vais essayer de vous le montrer maintenant, mais je crois pas qu'elle fonctionne avec cette arme là. Je vais plutôt vous montrer une autre arme. Voilà. Et elle reste au sol, habituellement elle reste au sol 5 secondes, donc là normalement elles resteront beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour ce qui est de ces petits détails. Alors ça c'est entre autres, hein. J'ai aussi rajouté quelques autres modes. Bon, ça vous verrez bien le moment venu. Mais c'est pas des modes de contenu pour l'instant, mais bien des modes entre guillemets, je vais pas dire d'aide, mais presque. Des modes, enfin c'est pas des modes, non même pas des modes d'aide justement, mais des modes plutôt de comment dire, qui n'ont que des changements, on va dire, visuels. Par exemple des nuits plus noires, un jeu un peu plus gore, enfin en tout cas une texture de sang plus réaliste. Et donc j'ai aussi modifié ma maison, j'ai rajouté cette maison là en préfète, on m'a conseillé de faire ça pour l'instant en préfet. Bon je l'ai fait, il y a des trucs basiques, hein. Bon bah voilà, on verra ça ensuite. J'ai rajouté une porte, et j'ai rajouté un mur sur le côté. Voilà. Parce que là, normalement, c'est ouvert, vous voyez. Hop. Donc. Et en voulant revenir à ma place, en faisant comme si tout était déjà fait, il s'est passé un truc. Donc, je me suis arrêté net, j'ai fait Alt+F4, j'ai coupé le jeu complètement parce que je voulais pas savoir ce qui se passait. Du coup, on retourne à Diamond City sur la place du marché, parce que vous pouvez voir qu'on peut plus, qu'on n'a plus accès à Diamond City. Donc, on retourne sur la place du marché. En 2229, un mystérieux visiteur de plusieurs personnes de Diamond City, on a entendu ce truc-là. On l'a déjà entendu. Et donc je vais continuer à modder le jeu un petit peu au fur et à mesure comme ça sur les aspects graphismes. Pas synthétique. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. Hey. Il m'a menacé de son arme. Bah ouais, j'ai vu ça. Mon propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté? J'ai besoin d'une minute. Oui, je vous en prie. Bon, il a des munitions sur lui malgré tout, hein. Faudra faire attention. Bonjour, je voudrais bien une petite coupe. J'ai pas vu que ça tournait, ça. Cool. Pourquoi vous? Alors j'aimerais aussi. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Il y a un oiseau là-bas. Non mais oh. Vous vous permettez un petit peu trop de choses, les mecs. Ah oui, j'ai aussi amélioré les textures des pierres. Alors, faut-il encore en trouver? Voilà, comme ça, on a le point de TP de Diamond City. Donc, les pierres ont une meilleure texture, parce que je ne les trouvais pas terrible, terrible, terrible avant. Voilà pour ça. The Goat Inn. Mais écoutez, l'auberge de l'abri, on va y aller. Hop. Je prends un coup. Il faut qu'on parle. Vadim, il faut qu'on parle. Je suis au milieu d'une histoire. Alors, je traverse, ok? Armé de mon sourire.
Et voilà que jaillit plus dangereux de tous les monstres marins. Un fangeux. Un fangeux? Attends, tu rigoles. Ça vaut limite 2 sur 10 sur l'échelle de danger. Si What? Un truc vraiment mortel. Bah Jim! Ah, je t'avais oublié, Yefim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais me débrouiller tout seul. Clé de la résidence des Hautones. C'est marrant, on a le droit à une caméra. Bien, du monde. Il vous faut une chambre? L'auberge de l'abri. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Il n'y a pas grand chose à en dire. On loue des chambres et on vend à boire et à manger. Principalement aux marchands de passage. Mon frère Vadim tient le bar. Carlette est notre serveuse et elle m'aide également à garder les chambres propres. Enfin, autant que possible. D'accord. Peut-être. Laissez-moi y réfléchir. C'est ça. Tu connais Vous voyez ce bal? Non. Le mur soit J'ai loué. J'ai tué un homme pour... Où est-ce qu'il les emmène? Hé, hey, doucement. Parle moins fort. C'est bizarre, ça. Ici, on a la cuisine. Qui est plus cuisine de... Qui n'en a plus le nom qu'autre chose. Voilà donc la fameuse Scarlett. Salut. Vous pouvez commander à boire et à manger ici ou au bar? J'aimerais te fouiller si... Ah merde. Peut-être. Peut-être plus tard. Si vous changez d'avis. Oh, le vieux... Le mec qui mate et après... Oh. C'était dégueulasse. Même pour mon personnage. Même Dogmeat l'aurait mieux traité. Oh. Ça c'est intéressant. Ça y est. Pom pom pom. Des cartouches. Des drogues, ça m'intéresse pas. Enfin, si je les vole, c'est pas, c'est pour les vendre et je peux pas les vendre à n'importe qui, je pense. Donc c'est pas extrêmement intéressant. Vous me dérangez. Allez, ailleurs. Ça vaudra sûrement mieux que de m'endormir. Si vous avez besoin d'une chambre, prévenez-moi. T'as perdu la tête ou quoi? Tu tiendrais pas une heure dehors. Je préfère rester de ce côté du grand gardien vert, merci. Du grand gardien vert. Peut-être pas exagéré non plus les mecs. Hein. Donc voilà à quoi ressemble une de leurs chambres. Ça peut être intéressant. Hein. Par contre je vois 2, 3 mais je ne vois pas 1. Hein. J'ai vu la sécurité faire le ménage dans une autre maison. C'était chez qui? Je sais pas. C'était chez qui hein. C'était épique ça. 2, 3 mais il n'y a pas 1. Ça c'est intriguant. Et d'accord. Ah, 1. Voilà, oula. Oui, 1 c'est le bureau. D'accord. Avec un sac de couchage, le pauvre mec il dort dans le sac de couchage. Kanigou, tu te pousses, merci. Tu sais, sur le mec, moi j'ai rien bon. À lui reprocher. Il nous a protégé des goules, non? On progresse. Alors peut-être qu'avec un peu de bol, ça aura rechargé les choses dans l'événement. Et on va plus les avoir tous au centre de la ville. Ils sont tous encore plus ou moins là. Bon, bon, bon. Le surplus de Diamond City, ouvert 24 heures sur 24. Alors moi j'avais envie de vérifier un truc, chers amis. J'avais envie de vérifier un truc sur la carte locale. Quelque part, alors la serre, agence détective Valentine, maison d'Arturo, Arturo, de Mo Cronin, Min. On a une maison, la maison de Kellogg. Radio Diamond City, d'accord. Maison de Shane Kowalski. C'est Science Center, d'accord. Dr. Sun, marbre. Earl Sterling, entrepôt, ça pourrait être intéressant. Méga chirurgie, sous-sol de la clinique, maison de Salomon, maison de Polly. Allez. Ah, je peux pas voir. What the fuck? Chambre froide. Auberge de l'abri, résidence des... C'est quoi ce bordel? D'accord. La carte est complètement buggée.
Fallons, école, raison des Pembroke. C'est, on a donc fait le tour. Alors, on a une maison, la clé des Kellogg's. Je sais pas ce que c'est. Et c'est pas, je sais pas où elle est censée être. Sécurité. Ah, il y a une maison là. Parce que j'imagine que là c'est le PC de sécurité, bureau de sécurité, voilà. Ah ah. Stop. Pourquoi stop? Oh, non, le mien il s'essouffle dès qu'il pique un sprint de 2 minutes, hein. Enfin de 10 secondes. Ah, porte de la maison des Kellogg. Allons-y. Quelque chose qui va pas vu la musique. Plaque chauffante, je vais prendre. Brosse à cheveux de luxe. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? Des épis de maïs bizarres. Du scotch. Bah écoutez, on va prendre le scotch. Rien d'intéressant. Alors c'est marrant parce que on nous la vend comme quelque chose où le mec se serait barré en coup de vent, etc. 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 Mais il y a strictement rien dedans. Non, rien, rien. Alors ça, c'est vraiment étrange. Bon, ben, on se bat. On aurait été voir ce que c'était, au moins. Ah, bah, si le jour se lève, ça peut être cool. On pourra vendre 2-3 choses. Hop. Pauvre garçon. Oula, par contre, je vais ranger mon arme, ce sera peut-être pas mal. D'accord, c'est l'heure de se lever, apparemment. Plante à fruits mutants. Plante à fruits mutants. Pommade. Pommade. D'accord, ils se mettent tous à courir. Au boulot, au boulot, au boulot. Ah, mince. Un instant, chers amis. Re, chers amis. Alors, voilà. Bon. What? Tout le monde. Autrement dit, l'article répugnant écrit par Piper. Diamond City est uni depuis plus de 150 ans. Et ce qui nous unit, ce sont deux choses. Tout d'abord, il y a notre grand gardien vert que vous voyez derrière moi, le mur. Notre sauveur qui nous protège de la lie du monde extérieur. Et ensuite, il y a cette foi et cette... Dès que je tourne la tête, j'entends plus. Nous avons les uns envers les autres. C'est ce qui nous permet de garantir la prospérité, la sécurité et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal s'évertue à montrer du doigt les synthétiques et autres histoires de fantômes afin de nous diviser, nous ne trahirons pas cette confiance sacrée. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce... Voyons voir ce qu'il a à dire. Je ne suis pas un synthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi... Tu es un synthétique. Le fils de Martha et Patrick McDonough, né dans une cabane sur les quais. Et je n'abandonnerai pas ma ville à cause des allégations haineuses d'une journaliste. Dieu bénisse cette ville. Dieu bénisse le mur. Alors, il n'est pas un synthétique. Des conneries. Il a dit qu'il n'était pas un synthétique. Bon. Je ne suis pas un synthétique. C'est déjà ça. Mais non, mais je suis sûr que c'en est un. Qu'est-ce que...
Non, c'en est pas un non plus. Bon, c'en était pas un non plus. Bon, bah c'est bizarre. J'aurais juré que c'en était un. Quoi? Regardez ça, c'en est un. Regardez le tir que je lui ai mis en pleine tête. Vous avez vu, il avait du gris. Ah merde, faut que je m'approche. Je ne sais pas ce que... Non? Je suis persuadé. C'est marrant. Je me trompe rarement pourtant sur ce genre de choses. Bon. What? Vous me dérangez. Je ne veux pas. Oh bah pardon, excuse-moi. Hé, hey, calmez-vous les gars. Vous voulez figer le camp. Hop. Oh, vous avez même un plan de voiture, et dis donc. Et ça pousse? Bon. Monsieur le maire, faudrait que je vous parle en fait, tout compte fait. Enfin, si vous acceptez que je vous parle après les quelques balles que je vous ai mises. J'aimerais beaucoup discuter avec vous, mais j'ai des affaires à régler. Monsieur McDonough. Profitez bien de votre séjour à Diamond City. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Étrange. Étrange, étrange, étrange. Alors, j'ai pas envie de faire le détective tout de suite. Ouh, vous volez, nous tirons. Ça, c'est bon, ça. Bon. Les magasins n'ont pas encore complètement ouvert. Vous préférez faire vos emplettes la nuit. Le surplus de Diamond City est ouvert à toute heure. De là... à là-bas... Je n'ai pas la clé. Hey, je voulais aller voir l'entrepôt. Je crois que les frères Bobrov vous cherchent. Parlez aux frères Bobrov, ça doit être ceux-là là-dedans. Par contre, il doit y avoir un entrepôt dans le coin. Maison de George Stirling. Mon gars, j'aime bien les entrepôt aussi, novice. Mais vous trouvez pas que vous en faites un peu trop là? Tu ne me vois plus. Hop, allons-y. Génial. Hop. On rentre. Il n'y a pas grand-chose dans l'entrepôt. Cartouche. Cartouche. Il y a quand même un missile dans le tas. Cartouche, cartouche, cartouche. Une arme. Jet, jet, jet. Heureusement que j'ai dit que je voulais pas voler de jet. Les armes de fortune, c'est pas mon genre. Un Medix. On m'a dit qu'il fallait que je garde les Radix. C'est con, sachant le nombre que j'ai déjà viré. Mais bon. C'est comme ça. Ah bah oui, je passe à côté du plus important. Ça ne va pas le faire. Bon, l'entrepôt, il est fait. Ah oui, au passage, l'autre trou du cul des miliciens, là, m'a donné plein de... Enfin, pas des quêtes, mais des endroits auxquels je devrais aller. Je ne sais pas du tout où exactement. Starlight Drive-In. Pourquoi je suis pas allé là encore? C'est marrant, ça. Il m'a donné, voilà, des lieux, voilà, musée de la sorcellerie. Normalement, il a mis ma carte à jour sur plusieurs endroits et... Bon, on verra bien le moment venu. Cabane de garde forestier, d'accord. C'est marrant, je les ai plus, les endroits. Mais bon, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Hop, hop, hop. Après 81, station Oberland. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a du boulot. Il y a du boulot. Par contre, cet endroit-là m'intrigue. On va y aller. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Si le P-Boy pour capter différentes traces de la gueule, je vais accéder à de nouveaux P-Boy et maintenir la fréquence en question. D'accord, ok. Jusque là, ça me semble assez logique. Alors.
Après le suspense de début d'épisode. Ouais, te revoilà là, toi. Ah, la crapule. Ah. J'ai déjà payé. Alors tirez-vous. Alors si tu me redis que t'as trouvé quelque chose au même endroit que la dernière fois, ça va pas le faire. Kenigou, tu es où? Putain, mais où qu'il est coulé ce Klebs? Non, mais il a encore disparu, hein. Là, par là. Ouais, donc peut-être que les testeurs des cailloux sont mieux, effectivement. T'as rien trouvé de plus? Alors. Ok, là, il y a effectivement quelque chose. On va manger un petit coup quand même, parce qu'on l'a pas fait. Hop. Crac. Starlight Drive-In. Porte novice. Hop les, le talent il est là. Il est présent. Je vérifie juste un truc, chers amis, avant. Voilà, re. Bon, ça fonctionne. Hop. Parfait. Hop. Il y en a un qui est complètement bugué. Hop. Réacteur à fusion, je prends. La petite caisse jaune vide. Là-dedans, rien. Col miracle bon marché, je prends. Mais pas grand chose, hein. Poste de cuisine, fabriquer. Est-ce qu'on a des choses à fabriquer? Apparemment non. Non. Faudrait que je trouve du blé surin là. Oh mais c'est joli par là. Ah mais c'est un cinéma de plein air. D'accord, il y a eu de la vie en plus dedans. Chair de rat. Enfin machette. Ah je l'avais perdu la mienne, c'est cool. Pure et minute. Et là, vêtements lavés. Rien de bien. Une énorme. Alors. Ah, oh, c'est tellement pute. C'est tellement pute. Est-ce qu'on va y trouver quelque chose au moins au bout? Clé de l'arrière-salle. J'ai pas envie de la prendre. J'ai envie de profiter de l'XP. Treillis plus. Autrement dit, ce treillis est plus efficace que ma tenue actuelle. Cependant, la plupart des treillis... Ah non. Vous voyez, le treillis m'enlève toute mon armure. Alors que celui-là, non. Cool. Cool. Ah, il est aussi possible. Je sais pas si je me rappelle plus si je l'ai installé. Oui, non, je l'ai pas installé. J'ai un mode qui me permettra d'installer des choses par-dessus.
par-dessus tous les vêtements. Non, certains vont, je vous le propose justement au passage comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est du cheat? Est-ce que vous pensez que ça n'est pas du cheat? Est-ce que vous y voyez... est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que je puisse... Il y a des mines à capsules. Hop. Casse-toi. Construisez et activez une balise de radio de recrutement. What? C'est quoi ce bordel? Ça sort d'où? Oh là 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 là. Ah bien sûr, bah, tu sais où est-ce que je vais la faire? Je vais la faire en plein milieu de la flotte, la balise, comme ça ils vont tous venir dedans. Et ils seront potentiellement tous... Ah d'accord, il y a une antenne en haut. Par contre la radio, mademoiselle la radio, il va falloir qu'on s'arrête tout de suite, là ça va pas le faire, bonne mère madame. On ouvre la porte s'il vous plaît. Oh, mais je me sens tellement con, je me fais avoir à chaque fois. C'était ça la mine? Mine capsule, putain. Cependant, je vais aller bouffer un truc. Un petit paquet de chips. J'ai beaucoup de Radaway. Alors pour la forme, j'en prendrai un. Alors, on va quand même faire gaffe parce qu'apparemment au niveau mine, ils sont fournis. Nuka Cherry. Chips. Boston Bugle. Ok. Cendrier, merde, j'ai cru que c'était du scotch. Une ampoule. Là-dedans, il n'y avait rien. Ça, je peux pas y toucher. Briquet à essence, pourquoi pas. Vraiment, c'est une texture qui sont très très moches. Hein. Hop, je l'envoie au loin parce que je trouve ça moche de voir le truc qui flotte au-dessus du reste. Pareil pour ça. Hop. Ça mène à rien. Ça mène à rien. Oh, oh putain. Pistolet. Un bon petit monsieur aussi. Pas le soulever apparemment. Cartouche, costume beige, scotch, térébenthine. Cartouche. Ah, le jeu m'a parlé d'un truc, hein, mais... Pff, apparemment j'en ai terminé pourtant ici, hein. Bon, alors où est-ce qu'on peut aller dans une direction où je n'ai... Enfin, où est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas encore par là? C'est mon chien qui est tombé et qui s'est fait mal? C'est ça. C'est mon chien qui est tombé et qui s'est fait mal. Donc, apparemment. On peut aller dans cette... Art. What? Non! Fais pas le con! Aidez-moi. Je veux pas mourir. Je t'ai dit de la fermer. Je vous en supplie. Vous devez m'aider. Ce type est un synthétique. Il va me tuer pour me remplacer. Oh putain. Je t'interdis de parler d'eux. C'est lui le synthétique. C'est lui qui veut me remplacer. Je vous en supplie. Vous devez me croire. Ne laissez pas cette chose me tuer. F5.
interroger. Hé, je suis de votre côté. Dites-moi la vérité et tout se passera bien. Vous êtes avec l'Institut? Écoutez, ce type m'a démasqué. Je suis un synthétique. Aidez-moi à m'occuper de lui ou je vais avoir de gros problèmes. Choix moral. Choix moral. Alors, je vais juste mettre un petit message sur mon petit truc, moi. Hop, moralité. J'aurais plus qu'à mettre 1 ou 0 derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tue le vrai homme pour que le synthétique... Ça dépend où est-ce que va le bonhomme, en fait. Calmez-vous, tous les deux. Personne ne va se faire tuer. Non, il est là pour me tuer. Rien ne pourra l'en empêcher. C'est lui ou moi. Ne l'écoutez pas. Cette chose serait prête à dire n'importe quoi pour vous convaincre. Posez votre arme. Je veux que vous posiez votre arme, d'accord? Après, on pourra parler. Je... D'accord. Je baisse mon arme. Oh, Dieu soit loué. Bon, vous voulez bien m'aider à faire le ménage maintenant? Oh non. What? Alors toi? Bordel! J'y vois rien, j'avais pas le choix. Est-ce qu'il a buté l'autre? Bon sang. Il faut... Merci. Merci encore. Mon Dieu, je tremble encore. Pourquoi l'Institut voulait me remplacer, mon Dieu? Dégage. Aucun de vous deux ne survivra. Non mais oh. Moralité. Alors normalement c'était 0 si je tuais le mec, mais là on est à moins 1. Moins 1. Voilà. J'ai trouvé mon nom d'épisode. Alors. Pam. Pam pam. J'aurais fait ce que j'ai pu, hein. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau des deux mecs. J'ai essayé de les sauver. Ils ont pas voulu. Maintenant, faut aller se faire enculer. Qu'est-ce que je peux manger? Deux purées minutes, ça me fait du bien. What? Ah là là. Une décharge. What? C'est fini. Pour l'instant. Hein? C'est parti! Je me suis fait avoir! On a réussi. Pour cette fois. On y va! What the fuck? Attends, y a qu'un seul moyen pour résoudre ce problème. C'était vous ou moi? Mais putain, mais ils sont nombreux! J'ai cru voir quelque chose. Ça sert d'avoir un bon karma. Ouais, je te le fais pas dire là. Bon, est-ce que l'event est terminé maintenant? Il y avait des brosses à cheveux sur eux. Demande ce qu'ils bouffent, ces ratos quand même.
Phew. Et t'es un habitant classique? Merci du coup de main. De rien. Oh, 50 capsules. Ah bah ça valait le coup. Là pour le coup, je peux pas dire le contraire. Bon. Là, il y a un sac de riz, une échelle. Du coca? Pas de coca. Oh, ça pue. Non, ça va? Ça va. Bon, bah, du coup, tant mieux, là. Argent d'avant-guerre. Rien. Je le prends à chaque fois. Ai-je raison, ai-je tort? Bon, maintenant, on va voir le plus intéressant. Il y a un truc là-dedans. Oh putain. Il y a un hydratope, effectivement. Alors, je suis pas fou, je sens que quand je vais ouvrir ce truc-là, il va y avoir du pop. Arme à verrou de fortune. Canigo. Hey. Échanger. Alors. Tout ce qui est lourd, s'il te plaît. Ah mince. Voilà. Crac. Crac. Crac, crac, crac. Déjà ça. Je te remercie. Donc c'était ça la casse. Ok, il y a encore quelque chose au nord. Hop. Excusez-moi, je me gratte l'œil. Hop. C'est un de ces véhicules qui normalement a un truc à l'arrière. What? Ah, j'ai cru qu'il y en aurait eu plusieurs pour le coup. Mais non. Bon. What? Tic légendaire. Alors, oula, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Tic légendaire. Ah bah génial, bah comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? 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 Ok, au niveau de l'armement, je sais ce qu'on va faire. Et j'ai pas ce qu'il faut, génial. Non ! Bla ! Ça devait être là. Hop. Allez! Qu'est-ce qu'elle avait sur elle? Réduction des dégâts infligés par les ghouls. C'est pas épique, hein. Ils auraient peut-être dû faire quelque chose au niveau des.
des commandes des ennemis légendaires qui repopent pas en fait. Faire en sorte qu'ils ne repopent pas au moment où. J'ai entendu hein. Allez, vas-y, passe. Hop les. Putain de moustique. C'est quand même meilleur quand c'est grillé hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, y'avait rien là-dedans, juste un gros traquenard en fait. C'est marrant. Oh. Bon, on avait un truc qui permettait d'enlever 15% des dégâts des ghouls. C'est bien ça qu'on a trouvé, hein. Tenue. Anti-ghoul. Alors, on peut présumer. Que chaque truc vert est une ghoul luminescente. Quasiment sans le moindre doute. Le souci étant. Hop, on se pique, on se pique. Ok, là j'aimerais comprendre ce qui s'est passé, pourquoi j'étais en danger. Pourquoi suis-je en danger ? Un habitant ? Wow! Dégage, putain! Prends ça. Tu vas ma première bagarre, minable. Lâche-moi! On perd du monde! Ok, où il est le chien? Et pouf! Niveau 13. Jambière gauche en métal. Bonjour. Oh. Hop les. Boum. Le mec il m'a regardé faire quand même hein. Soyons honnêtes, le mec m'a regardé faire. Apparemment, lui avait un truc sympa sur lui. D'accord. Bonjour. Ouais. Vous avez un air dangereux, vous. J'espère que c'est pas à moi que vous en avez un air dangereux, hein, vous. J'espère que ce n'est pas à moi. Ok, que vous pas en... grave. Ok. Ah merde, il a un peu cramé. Ah, il a poche lui. Merde. Alors, est-ce que je peux choper un deuxième poche sur lui? Brassard droit, bras gauche, jambière droite. D'accord, ouais, c'était celui-là. Ok, parfait. Poche, c'est pratique.
Bon, il nous reste encore le cimetière à faire, mais on a gagné un niveau. Donc, on a gagné un niveau. Niveau 13. Il n'y a pas un truc genre ça, niveau 13. Ouais, module d'armes rang 2. Niveau 18, niveau 21. Donc ça pour l'instant n'est pas rendu. Lalalala, 23, on n'est pas rendu non plus. Ça j'ai bien envie de le faire, mais que sur les humains en fait. Mais les humains, faut que je trouve la bonne chose. Oh là là. Ça c'est pratique. Alors, hop, les armes équipées par la cible. Ouh. On va mettre ça, tant pis hein. J'aurais peut-être dû en mettre là-dedans aussi hein. On verra bien le moment venu. Pour l'instant, on s'en sort. Peut-être pas à la perfection, mais on s'en sort. Oh, et je suis pas fou, hein. Bah, forcément, y avoir des ghouls. Hop, la porte peut pas s'ouvrir. Porte ne s'ouvre pas. Tiens, pourquoi il y a trois? Non. Ah, puis la nuit tombe. Et j'ai installé un mode pour la nuit dans le jeu. Des os en tout genre. D'accord, c'est cool. Là-bas, il y a une cabane. Enfin, là-bas, il y a une petite église. C'est une chapelle, sûrement. Mais avant tout, là, il y a la cabane, sans doute celle du jardinier. Ou du croque-mort. Ouvrir. Hop. Du croque-mort, je dirais. C'est d'une violence. À part ça, il y avait... Qui est là? J'ai hésité pendant longtemps à lui tirer dessus. Est-ce que ça va réveiller des ghouls? Est-ce que ça va pas en réveiller? Je peux passer, merci. Bon, vous savez quoi? Fuck it. Ah, des couilles, on en a pas. Tu jettes? Ok. Alors. C'est tout? Ah non. Alors, il y avait ce qu'il faut au niveau explosif. Hein. Je confirme. Il y a des flammes. Là-bas, il y a un avion. Et écoutez, on va se diriger vers l'avion. Hop.
What? Je vois des éclairs. Il y a du vent. Oh putain, il y a une tempête. Alors, il paraît qu'elles sont mortelles. Carcasse d'avion. Effectivement. What? What? Je comprends pas pourquoi on me dit de reculer, de pas faire attention à tous ces trucs là. Normalement, je suis à l'abri. Hop. Aïe, ah, j'ai un peu bourré le truc en même temps. Hop. C'est bon. Ouh. Alors, cartouche 45. Épingle à cheveux, parfait. Robe rosâtre, ça ne m'intéresse pas. Novice. Hop. Ouais. Une robe rouge, c'est vraiment principalement pour l'XP qu'on l'a prise. Hein. Coffre-fort expert. Ouh. Aïe. Oui, effectivement, ça va être coton. Hop. Génial. Un petit peu d'XP. L'argent d'avant-guerre qui donne une chier de papier normalement. Hop. Ici. Cartouche. Rien du tout. Quel est cet endroit? Oh non. Mais non. Continue à tirer. Ah. Mais non, putain. Il est cassé. Là, ça touche. Hop. Bim. Crac. Bon, si je peux ramener la vision en mode normal. Marrant ça, je le vois pas. Conscrit des artilleurs, c'est quoi ça? Tombe pas.
Hop, hop. Fusil de précision, je prends. Oula, par contre, si je me suis coincé l'autre côté, du mauvais côté, ce serait con. Hop. Parfait. Alors. Mais en plus, la tempête est passée d'ailleurs, j'ai pas fait attention. Ok. Ça, c'était leur champ de tir. Donc, c'était pas n'importe qui. Canigou. Non, Canigou. Eh. Hey. Échanger. C'est bon, je te fais porter des choses. Je te rends utile. Te plains pas. Voilà. Bon, je m'attendais un petit peu à... Est-ce que par à tout hasard? Non, je peux pas échanger tout ce que j'ai là-dedans. Je vais le poser directement là-bas. Ce serait un peu trop facile. Pff, Kenigou qui tombe. Eh, mais c'est là où j'ai... Non. Si, c'est là où j'étais la dernière fois. Non, 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 non. Il y a un drôle de bruit quand même. Hop. Ouh, charge laser, fusil de précision. Intéressant ça. D'accord. Ouh, oui, bien vu. Ok. Ça doit être en dessous, je présume. Peut-être la tourelle morte. Bon, 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 bon. Eh ben, on en a fait des choses dans cet épisode, nom de Dieu. On va retourner à Sanctuary. Hop. On va aller voir ce qu'on peut faire. Hop. Voilà. Allez, pousse, pousse, pousse. Allez. Ah, ça y est. Tant bien que mal, hein. Déjà. Hop. Stocker bric-à-brac. Il n'y avait pas tant que ça, hein. Fabriquer. Qu'est-ce que vous faites ? Comme tu le vois, je vais... Recycler un pistolet 10 mm, je vais aller voir ce qu'on peut faire d'un cran d'arrêt, il me semble qu'on peut le mettre en cran denté, donc c'est nul. La machette, je vais Restez la garder. En alerte. Ne baissez pas votre garde. Fusil laser de précision, par contre ça m'intrigue. Forcément que ça m'intrigue. Canon de précision, canon long, d'accord, canon de précision. Canon long amélioré, canon de précision amélioré. D'accord. Ok, mes mails qui s'actualisent. Je me trompe de bouton. Cross complète. Poignée confort. Non, cross complète. Poignée tireur d'élite. Cross tireur d'élite. Compensateur de recul. D'accord.
Lunettes moyennes, ouais, ok, donc toutes les lunettes sympathiques. Bouche. Précision et portée faible. Condensateur de faisceau, meilleure portée, meilleure précision et recul réduit. Ouh, c'est ça qu'il nous faudra donc. D'accord, ok, intéressant. Alors, moi je vais poser là-dedans toutes les choses inutiles que nous avons. En l'occurrence. Hop. Et justement, ce truc-là. Les armures, ce sera là-bas. Crac. Histoire que je vous montre rapidement comment ça se passe pour moi quand je suis hors ligne. Enfin, hors tournage. Voilà. Et vous savez quoi, je pense que comme je viens de le dire, je vais le faire en dehors du tournage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver dans la description de l'épisode et dans la bannière un lien vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4 et je les en remercie. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode de Fallout 4. Salut les gens. Hop et hop.